Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire l'élève du Cobu, le fortiche de la triche. Donc, la dernière fois, il y a un jour, j'ai déjà lu l'histoire 1, donc c'est ça. L'histoire 1, et j'ai lu la 2. Donc aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire 3 et 4. Donc n'oubliez pas, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, appuyer sur la cloche et liker la vidéo. Je vous remercie à tous parce que j'ai atteint les 200 abonnés et maintenant j'espère atteindre les 500. Donc on va commencer. Hein. L'élève du Cobu. Que ces menus travaux de réflexion dans le couloir ne nous empêchent pas de pratiquer nos traditionnelles ablutions matinales. Du Cobu au tableau. Je vous écoute, du Cobu. Combien font 2 x 2 4 Bien, fort bien. Et 1 x 5 Poc, 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 poc. 5, si je ne m'abuse. Mais c'est fantastique, du Cobu. Plus difficile à présent. 6 x 7. Poc, 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 poc. 6 x 7, vous avez dit? Poc, 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 poc. Laissez-moi réfléchir. Poc, 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 poc. 6 x 7, 6 x 7. Eh bien, du Cobu, nous n'allons pas y passer toute la journée. Votre réponse. Poc, 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 poc. Un instant, je l'ai sur le bout de l'oreille. Enfin, je veux dire. Ça ne marche pas, ça marche que pour les petites réponses, ton truc. Oui, bon, n'enfonce pas le clou, veux-tu? Donc, l'histoire 3 est terminée. Donc, du coup, ouais, une nouvelle façon de tricher. Du coup, c'est avec les clous. Par exemple, 2 x 2, il a enfoncé 4 clous. Donc, du coup, il a dit 4, et etc. Mais ça marche que pour les petits nombres. Pour les grands, bah, voilà. Et on passe à la quatrième histoire. Une fois de plus, nous allons nous attaquer à votre ascension par face nord de l'envers à vous, les tables de multiplication. Mais avant cela, si vous le permettez, une petite précaution. Que m'insurge cette arrestation est un véritable délit de fassier. Je vous êtes certain qu'il n'y a pas de fantôme dans cette armoire. Si on ne peut plus tricher, ce n'est pas du jeu. Bon, je vous écoute, du Cobu. Combien font, par exemple, 6 x 7? La même chose que cette fois 6, je suppose. Mais encore 42? Non. 43? Non, 42. Vraiment? Vous avouez que cette fois, je ne suis pas tombé loin. Pas tombé loin. Ben oui, 42, 43. Vous n'allez pas chipoter pour si peu. Allez, quoi? Vous pouvez faire un petit geste tout de même. Je vous mets moins 1 pour tentative de corruption de fonctionnaire. 1 moins 0. Vous n'allez pas chipoter pour si peu. Cela devient de plus en plus dur de gagner sa croûte. Donc, c'est terminé l'histoire 4. Bon, bah, si on a faux à une réponse de maths, bah, c'est tout faux. Oui, c'est comme ça.
Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, appuyer sur la cloche et liker la vidéo. Au revoir!